Gorge de Sainte-Jaume, 18 septembre 2021. À couper le souffle, elles ne sont pas aussi connues que les gorges de Galamus, mais elles sont absolument extraordinaires, surtout au niveau fréquentation touristique. En ma randonnée de 3 heures, je n'ai rencontré que 2 personnes. C'est absolument magique. C'est un tout petit torrent, mais il a une vigueur, une énergie. Donc Sainte-Jaume, ça s'écrit Sainte et Jaume, J-A-U-M-E, dans l'Aude, c'est près de Fenouillet. N'hésitez pas à y aller, c'est à couper le souffle. Je crois que c'est la plus belle rando que j'ai faite dans les PO, en ce qui me concerne, moi qui aime le côté sauvage et peu fréquenté. Et là, regardez, je trouve enfin un coin pour aller se baigner l'été. Un coin accessible, regardez. On peut partir du chemin. Là, là, là. Voilà. Et après, on va descendre par là. Et hop, 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 hop. Et ici, regardez ça. Ici, il y a toutes les petites piscines naturelles. Faites-vous plaisir, les amis de la nature. Vive la nature!